Yo, eh ben il y avait longtemps que j'avais pas parlé devant une caméra, hein, qui plus est en fait une caméra qui est qui me regarde parce que c'est le but d'une caméra. Cette introduction commence plutôt mal. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui me suivent pour Fallout 4 puisque je ne fais effectivement plus vraiment de vidéos dessus. J'ai tant bien que mal essayé de faire des vidéos en fait sur des mods. Concrètement avec la future sortie de Fallout 76 ainsi que l'ancienneté du jeu en elle-même fait que c'est des vidéos qui ne fonctionnent plus vraiment, surtout avec l'ampleur de ma chaîne, et du coup c'est une raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus en faire actuellement. Donc bon, voilà, c'est dommage, mais il faut bien que je me mette à la page. En revanche, je tiens à vous dire que le Fallout 76 est déjà précommandé, et qui plus est, avec l'édition Collector! Ce qui veut dire qu'un unboxing aura lieu. Ce qui veut dire qu'un certain casque pourra peut-être passer sur ma tête. Parce que si c'est du S, je sais pas comment je vais faire. Hein. Toujours est-il, va y avoir des vidéos sur Fallout 76, ça c'est certain. Hein, tirage, découverte, tout ça, un peu, les modes de fonctionnement, est-ce qu'on peut vous faire des alliances, des guildes, des alliances, tout ça. À voir dans les commentaires, dites-moi tout de suite, maintenant, vous qui aimez Fallout, si vous voulez que je fasse un let's play, donc du coup, où je rush l'histoire, ou s'il y a une histoire, à défaut de rusher les mecs et leur défoncer la gueule. Tout ça, avec... C'est pas de la tectonique, hein. C'est une imitation de casque. Plus sérieusement, si vraiment ça vous intéresse, dites-le-moi maintenant dans les commentaires, puisque je peux pas le deviner. J'aimerais bien faire... Moi, de base, je comptais le faire. Mais est-ce que vous avez envie que je fasse? C'est vraiment que ce que j'aimerais savoir. Mais en tout cas, on se retrouve pour l'unboxing, hein, le jour de la réception. Hein. Moi, j'ai prévenu madame. Ce jour-là, pouf, pouf, on pose le carton, on l'ouvre, on filme. Et le jour même, je m'occupe de la vidéo, le lendemain, c'est en ligne, voire le soir même. Mais bon, sinon, je pense que c'est tout pour Fallout 76. Comme certains ont pu le voir, j'ai posté une vidéo, donc il y a 2 mois de ça, en fait, de la Japan Expo dans laquelle j'ai été. Donc j'y ai été de manière habillée, tout à fait normale, hein, c'était la première fois de ma vie que j'y allais. Et ça m'a franchement, mais alors vraiment plu. Du coup, l'année prochaine, je prévois d'y aller cosplayer. C'est un cosplay qui va me prendre pas mal de temps parce que je suis manuel, je suis bricoleur, mais je suis pas du tout dans le monde du cosplay à la base, mais alors pas du tout! Donc là actuellement, il y a que j'ai fini mon... Non, j'ai rien fini en fait, je viens seulement de commencer mon cosplay avec mes petites mains, et c'est... Je sens que ça va être chaud parce que j'ai peut-être mis la barre un petit peu trop haute pour mon premier cosplay. J'aurais peut-être pu me déguiser en buisson, ça aurait été peut-être plus simple et plus joli. Mais je compte m'appliquer, et donc du coup, comme j'avais dit dans une des vidéos, du moins quand j'ai mis dans la description, vous ne la lisez pas. Celui ou celle qui trouvera de quel cosplay il s'agit, hein, de toute façon ça va être forcément du hasard, hein, moi que ce soit mes amis qui publient un commentaire, et dans ce cas je vais devoir les retrouver, les tuer et les enterrer, en dehors de ces spoilers potentiels. Si vous trouvez, donc je m'engage donc à faire un tirage au sort, enfin du coup, parmi ceux qui trouveront. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de tirage au sort, ça sert à rien. Attention, allez, hop, t'es grand gagnant, bravo, t'es tout ça, bravo, félicitations. Mais dis donc, du coup, organiser ce genre de choses et mettre en jeu des jeux Steam. Parce que donc, comme vous le savez, j'avais fait aussi une vidéo GameKit dans laquelle, en fait, je montre comment gagner des points, comment avoir des skins, des choses comme ça. Ou alors, il y a même des giveaways donc, qui vous permettent d'avoir des jeux Steam qui vont être plus ou moins bien. Donc, c'est totalement aléatoire, on peut pas choisir. Donc du coup, moi j'ai une bonne vingtaine de jeux là en attente que j'ai eu et donc j'ai même pas été regarder à quoi ça correspond. De toute façon, si je regarde, le jeu est activé, donc du coup il est plus à gagner, donc du coup ça serait complètement débile. Donc du coup, ce que j'ai en train de raconter, c'est complètement de la merde. Si vous comprenez l'idée, c'est vraiment très très cool. Voilà, hein, c'est vraiment vous faire participer, que vous puissiez avoir quelque chose à la clé, en fait, pas juste avoir cliqué sur j'aime, avoir mis un commentaire, s'être abonné, et puis derrière, qu'il n'y a jamais personne qui gagne rien. Hein, c'est pas comme si j'allais vous promettre une carte Google, des choses comme ça. Salaud. Enfin bon, du coup, là, voilà, c'est pareil. Hein, pour ce genre de choses, c'est à peu près tout. Mais je pense que sur le long terme, en fait, dans quelques vidéos, il y aura ce genre de choses. Je mettrai donc
en début de vidéo, petite info, et puis sur la durée, donc il y aura peut-être, je sais pas, ça va être des énigmes, des indices, celui ou celle qui aura trouvé en premier, donc se verra attribuer un magnifique code avec un jeu d'une valeur de pas grand-chose, mais il le saura quand il aura activé, parce que moi non plus je le sais pas. Enfin pour terminer, il y a quelques temps j'ai lancé un format de vidéo sur Fortnite, hein, c'était donc Hide Your Tilted, donc de l'anglais, cache ton Tilted. Donc c'est un format qui je pensais allait bien marcher, puisque vous l'aurez bien compris, sur ma chaîne il y a beaucoup beaucoup de constructions, quelques soit les jeux, et c'est quelque chose qui me plaît énormément, hein, que ce soit un jeu stratégique, un FPS ou un post-apo comme Fallout, hein, initialement sur lequel j'ai commencé. Je trouvais ça sympa d'essayer de me mettre un défi qu'en une heure je m'impose en fait de construire telle ou telle chose avec telle ou telle taille, hein. Donc là pour l'instant, actuellement il y a le château, la pyramide et le lama, donc qui m'ont pris beaucoup de temps. Et donc là, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui m'ont fait des propositions que j'ai écoutées. Je les ai écoutées parce qu'actuellement je suis en train d'essayer de choper du monde pour en faire une. Comment vous dire, Tilted totalement recouvert sur la hauteur maximale. Ça vous donne un bon indice, surtout pour celui qui a posté le commentaire. Il va bien se douter de ce que c'est. Mais je suis en train d'essayer d'autres idées aussi sur le long terme, puisque le mode de terrain de jeu va rester. C'est quelque chose que j'ai pas besoin de rush, où je peux prendre mon temps. J'y vais de temps en temps pour faire des essais, pour voir un petit peu, bah la map elle est grande comme ça, tac, je pense que je peux commencer d'ici, finir là. Bon, voilà, c'est plein de choses comme ça à faire, et ça peut être très très long. Là, notamment, là hier, 2 heures, juste pour essayer de voir si c'est réalisable, l'idée sur laquelle je suis. Et comment vous dire qu'en bout de 2 heures, tu te rends compte que c'est pas réalisable? Là, tu vois, t'as pris tes 2 heures, hop, dans la poubelle, hop, ha, et voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc aussi pareil, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, si ce format vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres formats qui pourraient éventuellement vous plaire, des idées, je sais pas, essayez le... Non, pas de faire de piège en PVP, parce que c'est pas du tout mon délire. Il y a Erasub Ninja qui fait déjà ça, qui le fait très très bien. Il y a plein de gens qui sont... je sais que c'est PVP, parce que moi je vous montre pas de PVP, vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi, c'est parce que... C'est parce que je... Non, c'est parce que voilà. C'est tout. Il y a des fois où il se passe des trucs de ouf, mais en fait, il me faudrait 1 an et demi de vidéo pour en faire 3 minutes. C'est trop long. Par contre, des fails. Ah putain. Ah ça, je peux en montrer, hein. Ah putain. Des fails, ça, il y en a plein. Hein. Je pense avoir fait vraiment le tour de ce que j'avais à dire pour cette année 2018 qui est après 2017. Si vous avez des remarques, des suggestions, des choses à dire... une liste de courses à faire, commentaire, je vous incite pas à mettre des commentaires, je vous incite juste à partager avec moi, parce que vous le savez, je lis tout de chez tous les commentaires, j'y réponds à 100% quand il y a besoin, quand il n'y a pas besoin, quand on m'envoie pipi caca prout, je réponds pas, hein. Simplement, je pour le commentaire, très bien, hein, chacun fait ce qu'il veut, très bien, je le supprime. Et après, je lis le suivant. Mais vraiment, ça va être un lieu de partage. Vraiment, j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à me faire ressentir vos idées et vraiment qu'on puisse discuter. Parce que c'est pas... Ah ! Oh putain ! Il a oublié le con ! Eh ? On a passé les 2000 abonnés. Rien que pour ça, je mets en jeu... 3 jeux. C'est chiant, ouais, ça fait trop de jeux à suivre. Pour ça, rien de plus simple. On va le faire à l'ancienne. Un like! Du moins, alors, si la vidéo, elle passe... Allez, faut pas que je sois trop optimiste, parce que c'est pas une vidéo qui va vraiment, vraiment fonctionner sur ma chaîne. Si la vidéo, elle passe 30 likes, vous commentez simplement, je sais pas moi, je dirais avec le hashtag over, je veux gagner un jeu. Non. Over, je veux gagner 3 jeux. J'essaierai de trouver un logiciel, machin, de tirage au sort, machin, truc. Bref. De toute façon, même s'il y a pas de... Et puis voilà, hein, ça sera l'occasion de marquer le début en fait de ce nouveau, de cette idée innovante, hein, qui, je l'espère en fait, vous permettra de vous fidéliser et de vous montrer que même si je suis un petit youtubeur, même si j'ai pas beaucoup, j'ai pas les attraits que peut avoir d'autres, que j'essaye et que je fais de mon mieux à chaque fois. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que je serai toujours présent. Il y a Fallout 76 qui arrive, il y a Jump Force qui arrive. Jump Force, pour ceux qui connaissent pas, allez voir, ça va être un truc de malade. C'est pareil, le jeu, je l'achèterai et il y aura des vidéos dessus. J'en parle depuis
depuis le début de ma chaîne, quand Lost Ark va sortir, c'est pareil, il y aura des vidéos dessus. Et là, je pense qu'il n'y en aura pas qu'un peu, parce que c'est un jeu qui va être très très long. Enfin, je pense avoir fait le tour du tour. Vidéo spéciale 2000 abonnés. Vidéo spéciale Fallout 76, puisque sa sortie étant imminente. Déjà, j'ai hâte de vous montrer la bêta, puisque j'ai le code de la bêta. Je me sens trop bien. C'était Overdose. Et Croc-Bou. Et Ryuk aussi. On le voit pas trop, mais c'est Ryuk. Hein. Attendez. Petite dernière info, vraiment de dernière minute. J'y pense maintenant, j'avais carrément zappé. Je cherche quelqu'un qui serait capable de réaliser donc une outro. Vraiment, qui soit, comment vous dire, assez sympathique visuellement. Vraiment, qui puisse attirer l'œil. Parce que j'en avais une, elle est complètement dépassée. J'ai pas les capacités pour en faire une, je suis pas infographiste, je suis pas bon à ça. Donc si jamais quelqu'un est capable d'en réaliser une, dites-le moi, on communique, on échange, on voit si s'il y a quoi que ce soit à faire, et puis on s'arrange comme on peut. Voilà, c'était Overdose, et à vous tous, les 2000 et quelques, merci.